picoler des trous normands quand vous êtes au milieu du froid. Vous faites un petit peu d'exercice comme ça. Je vais vous dire, c'est terminé les remontées d'huile. Hein, les acidités qui vous grattent le fond des oreilles. Là. Non. Quelques petits exercices comme ça, la première partie m'a bien réussi. J'ai vais vous dire, on regarde pas sous les jus, c'est pas beau. Je retourne à mes patates. Oh, j'ai vu le sourire du maire. Patate d'honneur au restaurant de l'OMS. Ça vous classe un homme. Je continue. J'ai dit, pour honorer ces sportifs, Madame Bibi, faut cuisiner des produits de la mer. Ah ben, ça tombait bien. Dans ce club-là, il y a le bio. Non, le cabillaud. Alors, mais oui, le cabillaud qui depuis plus de 30 ans nourrit les générations de son sport favori. Moi, j'ai l'habitude de l'accommoder d'une sauce aigre-douce pour respecter son caractère de chien. C'est rare, un cabillaud qui... Oh. Et puis, j'ai pensé à ceux qui méritaient toute mon attention culinaire, à savoir le gardien de but. Dans ce sport-là, c'est très dangereux pour la partie masculine qui sert toujours de référence. Et là, j'ai proposé une coquille Saint-Jacques, voyez où on la met, aux raisins secs ou aux noix, ça dépend de la fraîcheur du sportif. Tout ceci, mesdames, messieurs, à déguster avec la châtillonnaise en balle. La châtillonnaise en balle, son président Damien Lherbomère, 173 licenciés. Alors ce soir, ce sera 4 challenges. Un challenge à Sandra Fischer et à Sylvain Devel pour leur implication comme entraîneur des moins de 13, l'accompagnement, mais c'est aussi des joueurs dans des équipes respectives. Et puis, dans ces sports collectifs, l'arbitrage a beaucoup d'importance, les obligations des fédérations, et le jeu ne vaut aussi que par son bon arbitrage. Donc ces deux jeunes, Constant Ménret, Tanguy Rayer, très impliqués au sein du club pour l'arbitrage. On les applaudit bien fort. Je vais souhaiter à Damien, je pense, un bon résultat à Saint-Marcel demain. Il va voir les gens de Saône-et-Loire. Je rappellerai que l'équipe première est en régionale, en honneur régional. Alors là, c'est pas un restaurant, c'est tout un réfectoire de jeunes sportifs à nourrir. J'aurais pu leur faire une salade multifruits, tellement ils sont multisports, mais j'ai préféré réaliser pour eux un énorme soufflet, tellement ces jeunes sont étonnants de fraîcheur et de joie de vivre. Et c'est ce que nous allons partager avec tous les lycéens du lycée Désiré Nisard. Magnifique. Le lycée Désiré Nisard, sa section UNSS, le proviseur qui les accompagne, Christophe Nicot, le prof coordonnateur, Franck Raton. Ce sont 128 licenciés. Alors en course d'orientation, catégorie établissement, champion départemental, champion d'académie, troisième au championnat de France. Théo Coyette, Jordan Arnay, Élise Boilier, Nathan Olin. En VTT, équipe
catégorie élite, champion départemental, champion d'académie, 5e au championnat de France, Elena Cerisier, Raphaël Pautre, Léo Lagoutte, Robin Garcia. Et là, pour un challenge, on a récompensé aussi ce soir, parce qu'ils ont beaucoup d'importance dans la pratique du sport, l'arbitre national Adèle Comparo. En Ronan-Bic, équipe catégorie établissement, 4e au championnat de France, Elena Cerisier, Léo Lagoutte, Robin Garcia, Honorine Suyo-Malo. En tir à l'arc, équipe catégorie excellence, championne d'académie, 3e au championnat de France, Clarisse Siri, Romain Olin, Maxime Duval, Maxime Lavier. Là aussi, arbitre national, Antoine Tenney, qui reçoit un challenge. Reine multisport de nature, champion d'académie, 8e au championnat de France, Raphaël Pautre, Léo Lagoutte, Robin Garcia, Honorine Suyo-Malo. En gymnastique acrobatique, catégorie établissement, champion départemental, champion d'académie, 14e au championnat de France, Laura Chomonot, Faustine Beauvoir, Morgane Dieu, Lou-Anne Guigné, Malvina Droitier, Fabien Jurado-Carido. On les applaudit très très fort. Ce sont des habitués au podium, l'implication de leurs professeurs et aussi du chef d'établissement que j'ai salué tout à l'heure et qui est parmi nous. Est un point fort, très important, qui nous permet en plus de recruter des élèves car ils bénéficient de conditions d'entraînement et de pratique des sports absolument remarquables. Voilà ce qu'il fallait dire à propos du lycée Désiré Nisard, dans lequel j'ai appris il y a bien des années à éplucher les patates. Alors certains appellent ce genre de chou, vous savez, vous voyez la forme un peu arrondie, genre une religieuse, mais fourrée d'une autre manière. Alors certains appellent ça la bouchée à la reine. Mais j'avais un problème, parce que pour les tireurs à l'arc, évidemment, j'avais Michel Leroy, mais là, évidemment, il manquait sa moitié, il manquait la reine. Alors j'ai retenu, donc j'ai biaisé un peu et j'ai préparé un autre plat. Un plat plus léger, si vous voulez, plus aérien, plus délié. Un appareil feuilleté, pas trop chargé. Vous voyez, vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Parce que pour vous, messieurs, ça sera un vol au vent, façon courant d'air. Ça va vous régaler. Vous allez voir tout de suite avec les champions du Model Club Châtillonnais. Le Model Club Châtillonnais, le président Alain Gachard, qui ce soir, excusez, il sera remplacé par André Moukeller, sont nommés Loric Lutel, Alain Gachard, qui on lui prendra la médaille,
8 oiseux qui à présent, ils sont tous titulaires du brevet aéronautique en modélisme, examen en vol passé en 2017. Et puis M. André Unkeler, représentant du président ce soir, qui est titulaire de brevet aéronautique en modélisme, examen en vol passé en 2017 et un dirigeant méritant, il recevra ce titre de challenge. On les applaudit bien fort, ces gens de l'aéronautisme. Ce qui fait qu'ils peuvent voler à la fois en toute liberté et en toute sécurité pour nous. Alors, mesdames, messieurs, là, je n'en croyais pas mes yeux, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible, ceux-là, hein. Je m'adresse à eux, je leur dis, mais cessez d'arroser, hein. Et j'ajoute du vin, et je me mets au cognac, et je noie au calvados, et j'inonde au grand marnier, et je rince le tout au whisky. Et j'allume, et tout à flambeux, et je vous appelle. Mais ce soir, ceux que je vais appeler, ce sera pour la récompense. Je leur dis d'avance bravo, bravo pour leur engagement, bravo pour l'amical des sapeurs-pompiers, qui sait à la fois conjuguer sport, loisirs et secours pour nous, rien que pour nous. Alors, l'amicale des sapeurs-pompiers à leur tête, Amandine Buzy, 57 licenciés. J'appelle Albert Nika, qui a terminé 6e aux épreuves athlétiques nationales de corde. Chana Sylvestre, 5e aux épreuves de sprint régional. Thès Lallemand, 4e au cross départemental. Satisfaire tout un groupe féminin, des dames pour qui c'est clair, qui n'aiment pas faire du chichi, elles veulent du rapide, du libre service, du plat qu'on attrape à la volée et qu'on avale à la va-vite sur une chaise entre deux services. J'ai compris, pour éviter tout renvoi dans le couloir, pas du calabière, un plat simple, pas cher, à 2 balles, bien assaisonné. Le service est prêt pour les membres du tennis club châtillonnais.
Alors, le tennis châtillonnais, le tennis club châtillonnais, sa présidente Nathalie Mendoza, 134 licenciés. C'est l'équipe féminine qui est montée en première division qui est nominée ce soir. Nelmer, Caroline Williams, Isabelle Métral, Elisabeth Barbier, Véronique Mortier, Séverine Raillard, Nathalie Mendoza, Marie-Pierre Spataro, Pascal Debernard. Sont aussi nominés pour leur progression au classement individuel Antoine Minot en catégorie 11-12 ans, Joa Lazzarotti en catégorie 15-16 ans, Angelina Barthelmi et Anaïs Leroy, donc progression au classement individuel. Bravo à toutes. Magnifique, des clientes faciles à satisfaire, je vous félicite. Ah, comme je disais tout à l'heure, si vous ne voulez pas pratiquer le trou afro-brésilien, comme je vous l'ai montré, vous avez parfois du mal à digérer. Eh oui, parce que ceux-ci, ils abusent un peu trop de l'œuf poché, de la pêche, n'est-ce pas, des tartes au marron. Et si vous arrosez trop, vous finissez par en avoir un coup dans le nez. Ce qui fait de vous des sportifs, bien sûr, qui ont de l'estomac, comme ceux de Boxe-Pied-Point Châtillonnais. Boxe-Pied-Point Châtillonnais, Grégory Blain à leur tête, 75 licenciés. Sont nominés ce soir Alan Jouanet, 3e au championnat de France à Lyon en catégorie Live Contact Junior, plus de 80 kg. Marty Barr, 3e au championnat de Bourgogne à Chevigny, 3e au championnat de France à Paris et 3e en Coupe de France à Lyon, catégorie senior, moins de 68 kg light contact. Anthony Foron, vainqueur au championnat de France à Paris en catégorie full contact senior, moins de 68 kg. Thomas Gousseau, vainqueur championnat de France à Chevigny, vainqueur de la Coupe de France à Lyon, vainqueur du championnat de France à Paris, catégorie light contact senior, moins de 80 kg, et 3e en Coupe de France, catégorie full contact senior, moins de 78 kg, recevra un challenge, un encadrant dans les sections enfants, Mehdi Césari. On les applaudit bien fort. Du vrai, tout monté à la barre. Je vous
dans le cadre médical, une prochaine fois, je vous expliquerai comment il faut faire pour faire travailler les pectoraux, pour tenir tout ça. Ah. Bien. Alors là, maintenant, dernier passage de nos amis troyens. C'est la pièce montée, c'est le top. Ils vont venir faire un festival de desserts. Vous allez déguster ça pour la dernière fois, on le regrette, mesdemoiselles, messieurs, parce que vraiment, on a apprécié ce que vous faites. Hein, on a eu toutes sortes de sportifs, et là, vous nous avez donné une touche particulière. Hein. C'est une magnifique découverte, à travers laquelle on sent le folklore, on sent le besoin du dépassement individuel, hein, de l'équilibre personnel, mais on sent aussi un climat de paix, de fête, de joie. Voilà ce que j'ai cru comprendre de ces magnifiques démonstrations et de cette philosophie que vous transportez avec vous-même, hein, en mettant en valeur le corps humain et en montrant qu'il n'y a pas que bien marcher sur ses deux pieds pour être un homme ou une fille ou une femme heureuse. C'est ce que je voulais vous dire. Alors moi, j'ai plus de mal que vous à marcher sur mes deux pieds. Au début, il y a l'âge, il y a tout ça. Hein. Donc c'est pour ça que je vous laisse la place pour que vous nous régaliez une dernière fois. Thank you.
Magnifique
entend bien. Alors, ça mérite quelques petites explications. Bonsoir. Donc, déjà pour commencer, on vous remercie de nous avoir invités dans votre ville, Châtillon-sur-Seine. Je la remercie, monsieur le maire, l'OMS, pour cette prestation, nous avoir invités, nous avoir fait confiance, parce qu'on vient de Troyes. Donc, je sais que c'est pas évident, peut-être qu'il n'y a pas sur Châtillon de la capoeira. Donc, la capoeira, pour vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un art martial qui est brésilien, ça a été créé par les esclaves. Donc c'est un art qui englobe plusieurs arts. Donc on est à la fois athlète, chanteur et musicien. Et cet art martial était caché sous la danse, puisque les esclaves avaient droit juste d'utiliser leur culture, que ce soit à travers le chant, les instruments de musique. Et pour pouvoir s'évader, donc ils ont caché cette lutte sous cette danse. Et là est née la capoeira. Donc au Brésil, c'est le second sport national, juste après le foot, sachant que le foot n'est pas un sport brésilien. Et il est enseigné dans les écoles, donc c'est une discipline qui est enseignée dans les académies, il y a des clubs, il y a des fédérations qu'on n'a pas nous en France. Donc il faut un brevet d'État pour pratiquer la capoeira. Et ça se développe beaucoup maintenant en France. Donc on est le groupe qui s'appelle Abada Capoeira, un des plus grands groupes au monde, qui a été créé par notre maître qui s'appelle Mesh Camisa, qui est à Rio. On compte aujourd'hui 60 000 capoeiristes au nom de notre groupe. On est dans plus de environ 35-40 pays. On organise des championnats, donc championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde. Et puis les autres pays en Europe qui organisent leurs propres championnats. Comme nous, on organise nos championnats en France, les Allemands organisent leurs championnats, ainsi de suite. On a le même système que dans les arts martiaux, tout ce qui est judo, karaté, un système de graduation. Donc il y a une hiérarchie, il y a des maîtres, des sous-maîtres et des graduations. Donc nous, ce n'est pas des ceintures, c'est des cordes pour symboliser aussi les esclaves qui étaient attachés. Donc on a un système de graduation de couleurs et ça dépend du groupe puisqu'il y a beaucoup d'autres groupes que Abada Capoeira qui existent, mais c'est à peu près le même système que le passage de grade dans le judo et le karaté. J'ai fait un peu le tour de ce qu'est la capoeira et on vous a montré à la dernière là, le panache là, de tout ce que vous avez vu. Donc il y avait la première danse qu'on avait démarrée, c'est une danse d'esclaves. Et une danse guerrière, puisque les esclaves étaient dans les champs de canne à sucre. Et c'est le makulélé, ce qu'on a fait tout au début là, de la dernière présentation. Après, il y a eu la samba d'Irode, la samba, qui reste aussi une danse traditionnelle aussi au Brésil, mais on l'intègre aussi dans la capoeira. Après, vous avez vu aussi le côté martial, donc il y a des saisies, il y a ce qu'on appelle les jeux durs. On pense que la capoeira, c'est une chorégraphie, qu'ils ne se touchent pas, c'est une danse, mais on n'est pas sur des... on est sur des bases d'esquive. Si on n'esquive pas le coup de pied, on prend le coup de pied. Et on prend un KO comme dans tous les arts martiaux. Quoi d'autre donc on a vu, oui, le jeu dur, donc avec des marquages, des ciseaux, des coups de tête. Donc on n'a pas de protection, on est pieds nus, on n'a pas de protège-dents, pas de casque, gants. Mais on peut tout utiliser dans la capoeira, les pieds, les mains, la tête. Bon. Voilà, donc je vous remercie. J'espère que maintenant vous savez tout ce que c'est que la capoeira. Donc vous pouvez nous retrouver sur des sites de Abada Capoeira, tapez juste capoeira, il y a beaucoup de vidéos, c'est médiatisé. Donc maintenant il n'y a plus de secret pour vous au niveau de la capoeira. Je vous remercie. Et pour l'énergie que vous avez donnée, et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Prochaine fois, avec toutes les villes que vous avez données.
à l'honneur deux restaurants. Deux restaurants, deux grands restaurants. Le König pour la cuisine de plein air, et l'OMS, un restaurant plus traditionnel, connu surtout pour cette bonne cuisine maison. Alors j'appelle le président sortant de l'OMS, mais aussi le président entrant, n'est-ce pas ? Peut-être les membres du bureau pour s'approcher, venir entourer donc le premier club qui va être mis à l'honneur. Donc le König d'or pour les clients dont les menus. S'il vous plaît, merci. Le König d'or pour les clients qui ont apprécié les menus proposés. Je le dis, ils ont déjà été à l'honneur ce soir et ils ont apprécié aussi toute cette cuisine de plein air, car c'est un sport qui demande de grands espaces, de grandes respirations. Ils ont toujours l'appétit, toujours l'envie de s'en mettre une bosse, tout comme ils ont une très très bonne descente, je peux vous l'affirmer. Alors ce soir, pour les trois étoiles du sport châtillonnais, je vais appeler le Vélo Club Châtillonnais. Pour le Challenge König, je vous invite à monter sur le podium. Le président, Laurent Guéraud, je vous étais là tout à l'heure. Alors on peut saluer le nouveau président Florent Perrault, donc un président tout heureux parce qu'il prend donc un club vraiment en bonne santé. Mais bon, il faut faire un petit clin d'œil aussi au président sortant Franck Mendoza, donc qui quitte la présidence avec de grandes performances. Alors je vous rappelle que ces challenges sont attribués par les autres clubs. Hein. Donc on réunit les clubs plein air, on réunit les clubs en salle, et entre eux, donc c'est eux qui élisent le club qu'ils considèrent le plus méritant de la saison. Et vous avez vu tout à l'heure donc les nombreux, notamment le titre de championnat de France, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et puis je crois, bon ça n'a pas été dit, mais il y a eu au moins une quinzaine de succès sur route cette année. Donc c'est vraiment une année pleine, une année bien remplie. Et je pense que donc leurs collègues de sport de plein air n'ont pas hésité et ils ont été très facilement élus au premier tour comme club de l'année de plein air. Voilà, donc je crois que monsieur le maire peut remettre le challenge au club châtillonnais. Je le tiens avec plaisir. Je mets donc le challenge König au président du Vélo Club, monsieur Perrault, et puis lui, félicitations. Bravo. J'espère que 2018 sera une année aussi florissante. Bon, on va faire travailler un petit peu le nouveau président de l'Office municipal des sports aussi, puisqu'il s'agit donc du challenge de l'Office municipal des sports. Donc pour les sports en salle, et là donc il y a eu facilement aussi donc l'élection du club de judo, donc c'est un club qui est en plein essor, donc ils ont du mérite puisque donc c'est un club qui avait donc une présidente depuis de longues années, à qui pour diverses raisons a souhaité arrêter, et donc ça n'a pas freiné l'élan de ce club, puisque il a toujours autant de succès, autant de licenciés, et donc je crois qu'ils ont même été élus à l'unanimité par les autres clubs de sport en salle. Donc les représentants du club de judo, si vous voulez bien les avancer, qui est Alain Poussoubran, donc le nouveau président de l'Office municipal des sports, pour nous remettre les challenges.
Félicitations, jeune président de l'Union de Paris, et donc à tous les sportifs du club de judo. Cette salle et donc certains viendront encore demain matin pour